17 août, Emmanuel et Brigitte Macron ont quitté le fort de Brégançon pour aller à la rencontre du public et s'accorder leur premier petit bain de foule des vacances. Tout sourire, le couple présidentiel, habillé de manière très décontractée, s'est prêté au jeu des selfies, posant avec de nombreux enfants. Un moment de joie pour tous ces vacanciers qui attendaient au pied du fort que le couple présidentiel fasse une petite apparition. Un bain de foule, comme une réponse à François Hollande. L'ancien président de la République se trouve effectivement actuellement à quelques kilomètres du fort de Brégançon et a dernièrement multiplié les apparitions publiques. Omniprésence de l'un, absence de l'autre. Emmanuel Macron a ainsi sans aucun doute voulu redresser la balance. C'est évidemment une réponse à l'ancien président de la République. On sait que le rapport entre les deux n'est pas au meilleur de sa forme, a commenté un expert en communication sur LCI ce mercredi 8 août avant de préciser. On sait aussi que François Hollande avait taquiné Emmanuel Macron en lançant des petites phrases, notamment qu'il était bien blanc par rapport à lui et que l'accueil réservé à François Hollande était sans doute meilleur que celui pour Emmanuel Macron. C'est aussi un moyen de montrer qu'il est un président bienveillant avec ses électeurs et travailler son image positive. Crédit photo, best image.